je pense qu'on a vraiment fait un bon match, mais bon, ça suffit pas de faire un bon match. On fait des bons matchs en Ligue des Champions, mais on prend pas de points, donc on repart toujours un peu déçu. Bon, bien sûr, c'est impressionnant quand on rentre et qu'on voit autant de monde. On n'a pas encore l'occasion de jouer dans un aussi grand stade, mais bon, ça nous donne un peu plus d'adrénaline. Et bah, une fois qu'on est sur le terrain, on ne pense pas à ça. Je pense qu'on a montré déjà pendant ces trois matchs qu'on avait le niveau pour faire bonne figure en Ligue des Champions. Ouais, on n'est pas une équipe qui va venir ici et jouer à 11 derrière. Voilà. On a mis la pression à cette équipe de Valence, on l'a mis en difficulté par moment et on aurait pu peut-être revendiquer mieux au final. Point de vue personnel, vous avez eu l'équipe nationale, le championnat, la Ligue des Champions. Physiquement, comment ça va ? Oh, physiquement, je me sens bien. Je récupère bien entre les matchs. Ouais, voilà, moi je suis en confiance aussi, donc ouais, je me sens bien. L'objectif maintenant de Gand dans cette Ligue des Champions, la troisième place, on y croit toujours ? Oui, bien sûr, on y croit. C'est vrai qu'on n'a qu'un point sur neuf pour l'instant, mais on a quand même joué au Zénith et à Valence. Donc il nous reste deux matchs à domicile. Je pense qu'à domicile, on a déjà plus de chances. Et puis le dernier match à l'extérieur, c'est à Lyon, qui est sur papier, je pense, l'équipe la plus prenable. Donc on verra, mais tout est possible. Je pense que la troisième place, on doit se fixer ça comme objectif. Et quand vous jouez ces matchs, est-ce que vous sentez, au niveau de la vitesse d'exécution, la différence de niveau avec le championnat ? Oui, bien sûr. Bah, après, surtout les 30 premières minutes, Valence a vraiment bien joué, bien fait tourner le ballon. Et là, on a senti quand même voilà, que c'était une équipe de Liga, une très bonne équipe de Liga. Donc on l'a senti, mais bon, après, comme je dis, on est bien rentré dans le match et la différence n'était pas vraiment flagrante. On était même meilleur par moment. Donc, c'est vrai que c'est des joueurs avec beaucoup de qualité.